passé. Ok, pour tout, pour le KX3, ouais, bah écoute, je te souhaite de le recevoir bientôt. Hein. Et puis tu nous diras ce que ça vaut, là, il y a pas mal de vidéos qui tournent maintenant, là, ça y est, les gens commencent à bien recevoir. Et c'est un beau petit outil, là, voilà. Et ok, pour le booster en alimentation, là, j'avais déjà pensé à cette option-là, et c'est une bonne option, hein, c'est pratique, là, ça te fait une batterie portable que tu peux recharger chez toi, là, le soir, c'est pas mal. Ok pour tout, je retourne le micro en français avec les amitiés, FAMZT mobile je pense, 4GLD mobile et 4G MU mobile sur la 46. C'est Jérôme, 4G MU, R73 Olivier, F4GLD, F4G MU mobile, F4GLD, Fox 1, Max Zulu, Charlie 6, voilà, 417 de watts. Vous saluer hein, et le Capanna Arno là, Olivier, bah, tu verras, c'est quelque chose de vraiment extrêmement sérieux, hein. C'est des qualités HF, aussi bien émission, mais surtout réception, vraiment exceptionnelle par rapport à, au grand groupe de généralistes, hein, on trouve, hein, c'est vraiment, l'aircraft a toujours été d'ailleurs de ce côté-là extrêmement réputé et... Le KX3, comment dire, ses caractéristiques radioélectriques réception, tient toujours le haut de la tête dans les transceivers type ou affaires ou tout fait, qui sont vraiment exceptionnels au niveau qualité réception des cas métriques. Hein. Voilà, et puis ok Olivier pour tous les cuisons, beaucoup de c'est parfait, hein. C'est vrai que c'est le problème, c'est le vent. Hein. Des points à toi, puis il y a l'équipe OMQ, OLG et FOX. Je vais même plus faire QSO avec eux en 400 mégas également avec les 2 watts pour voir. Hein. Donc, comme quoi, vive le QRP. Voilà, je ne peux pas plus long, c'est juste pour vous saluer. Hein. F4GLD, F4GMU mobile, Fox 1, Max Zulu, Charlie 01, Mesaria. Ok, 4GLD mobile qui reprend 4GMU. Enfin, Mike Zulu, Charlie, en fait. Ouais, voilà, moi j'ai rien de plus à dire. Hein. C'est vrai que c'était un petit peu délicat pour moi sur la fin là, avec le vent. J'avais un mât inadéquat, et même s'il était au balai, c'était vraiment dur pour moi. Dur de m'orienter, de garder la direction, parce que je tournais à la main et. Avec la prise au vent, ça partait dans tous les sens, donc c'était vraiment pénible. J'ai préféré stopper, je pense que ça